Parlons de l'ingérence américaine au Venezuela. Les États-Unis d'Amérique est aux mains d'un groupe de blancs ultra-racistes venus d'Europe. Ils se comportent comme des gendarmes du monde et appliquent une politique divisée pour régner. En 1803, Haïti avait gagné à Verpierre la plus grande bataille contre l'Occident dans l'histoire de l'humanité, alors que cette petite groupe raciste du nord d'Amérique a réussi à détruire la grandeur. Haïtienne progressivement, cette minorité blanc raciste du continent américain arrive à diviser les latinos entre eux au profit de lui-même. Avec quel courage que les voisins sud-américains et les caraïbes s'acceptent de soutenir les États-Unis contre le Venezuela lorsqu'ils sont eux-mêmes très humiliés par les racistes du nord? Le Venezuela possède un tiers de réserves de la planète, 1 300 milliards de barils. Avant Chavez, le peuple vénézuélien connaît une misère sans pareille alors que les racistes du nord d'Amérique s'enrichissaient sur leur dos. En 1998, les racistes du nord ne pouvaient pas résister face au discours de Hugo Chavez. Aujourd'hui, ils voulaient faire passer le Dieu pour diable et diable pour Dieu. Malheureusement, quelques petits sous-hommes sans mémoire veulent se mettre d'accord avec les racistes anti-humains du nord d'Amérique. Mais la patrie vénézuélienne est plus soudée que jamais. À côté du président Nicolas Maduro, l'armée et le peuple vénézuélien sont prêts de défendre leur pays. Ils ont réussi à trouver l'appui de différents gouvernements dans le monde, mais l'idéologie se divise, une guerre mondiale se dessine. Le gouvernement légitime du Venezuela, soutenu par la Chine, l'Iran, la Turquie et la Russie, alors que le projet du chaos soutenu par l'Occident. Une déstabilisation que les voisins du Venezuela regrettera à l'avenir après l'Irak, la Libye, la Syrie. Maintenant, en 2019, les anti-humains frappent à la porte du Venezuela. La patrie bolivarienne est sacrée. Il est grand temps pour la fin de la puissance américaine. Pour plus de dossiers, rejoignez la page de Papa Benz. YouTube, Twitter, Facebook, Papa Benz.